τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας. Ο Εμμανιουέλ Μακρόν δέχτηκε να μας παραχωρήσει μια συνέντευξη, την πρώτη συνέντευξή του στην ελληνική τηλεόραση. Και θα το κάνει και πάρα πολύ συχνά, Μαρία, αυτό, να παραχωρεί δηλαδή συνεντεύξεις σε τηλεοπτικά δίκτυα. Αυτή τη φορά το κάνει στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του και το κάνει και με έναν ιδιαίτερο τρόπο για τα ελληνικά δεδομένα σε δύο μέσα. Στο πρώτο κανάλι της δημόσιας τηλεόρασης, στην Ερτένα, αλλά και στον Αντένα. Και νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσουμε άλλο χρόνο. Ξεκινάμε αμέσως. Alors, monsieur le président, bienvenue à Athènes. Bonsoir. Je voudrais nous dire quel est le but de votre visite à Athènes et quel est le message principal que vous souhaitez envoyer à l'Union européenne avec cette visite en Grèce. Je suis en effet aujourd'hui et demain à Athènes dans une visite pour moi où le principal objectif est d'essayer de tourner une page avec l'histoire des 10 dernières années, celle de la sortie de crise. La Grèce est en train de retrouver la croissance. Elle a encore à vaincre le chômage de masse, en particulier pour les plus jeunes. Et je souhaite que nous puissions construire les voies du redressement économique de la Grèce, à la fois dans les discussions européennes qui reprendront au début d'année 2018 et la fin du programme en cours, mais aussi par la coopération entre nos deux pays sur le plan économique. Et c'est pourquoi j'ai voulu être accompagné de nombreuses entreprises françaises, petites et grandes, de la Banque de développement française, la Banque publique d'investissement, pour aider la Grèce à repartir sur cette voie de la croissance. Et au niveau européen, c'est le discours que je viens de tenir à la PNICS, mon objectif est de dire justement que nous devons sortir de cette Europe de l'austérité, de la défiance, où nous n'osons plus avoir une souveraineté, une démocratie européenne assumée, et le temps de la refondation est maintenant devant nous. Et pour moi, les 18 mois que nous avons face à nous, ce sont les 18 mois qui devront acter le retour plein et entier de la Grèce à la croissance et la fin de ce programme, et une nouvelle ambition européenne pour les 10 années qui viennent. Monsieur le Président, conformément à vos déclarations, le FMI n'a aucune place dans la crise financière grecque. Mais le FMI ne cesse de réclamer un allègement de la dette grecque. Alors, croyez-vous qu'après les élections en Allemagne, un accord pourrait être trouvé pour alléger dans la durée le poids de la dette grecque sans la participation de l'FMI au programme grec? Alors, je pense qu'il y a des sujets qu'il faut séparer parce qu'on ne peut pas tout régler à la fois. Je m'explique. Si nous voulons aller au bout du processus, les discussions vont reprendre en janvier prochain, en janvier 2018. Et je souhaite pour ma part que ces discussions permettent, d'une part, de pouvoir montrer que la Grèce continue les réformes, ce qui est indispensable et ce qui est le cas aujourd'hui. Deuxièmement, que le FMI puisse en rester au terme de l'accord que nous avons trouvé il y a quelques mois et ne rajoute pas des conditions nouvelles. Et enfin, que collectivement, nous puissions aller vers un allègement de la dette grecque. C'est la position que la France a constamment défendue, et en particulier lors des conseils ECOFIN du mois de mai et juin, la France a beaucoup poussé pour aller en ce sens. Donc c'est cette option-là que je défendrai. Je pense qu'on peut arriver à un allègement de la dette avec la présence du FMI pour finir ce programme. Après les élections en Allemagne, on pourrait avoir un accord? Par définition, ce sera après les élections en Allemagne, puisque c'est en janvier prochain. Mais nous trouverons un accord avec l'Allemagne, j'en suis sûr, comme nous avons toujours réussi à le faire. Je pense qu'il est vraiment indispensable, en tout cas, que cet accord passe par les équilibres que je viens de rappeler, dont celui de l'allègement de la dette grecque. C'est indispensable et c'est la position de la France. Alors, monsieur le Président, la Grèce a réussi en juillet son retour sur les marchés monétaires. Pensez-vous que la troisième évaluation sera terminée à l'automne ou d'ici la fin de l'année? Je pense que le retour de la Grèce sur les marchés est une très bonne chose. Parce que c'est ce qui va progressivement normaliser la situation et permettre de retrouver une souveraineté financière. Est-ce que ça veut dire que tout est réglé pour autant? Non, je ne vais pas vous mentir. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sérieux à voir, il faut consolider cette confiance. Le retour sur les marchés veut dire quoi? Nous avons confiance dans les chiffres que vous nous donnez et nous voyons que la Grèce, restant dans la zone euro, faisant les réformes, est une économie qui est en train de se consolider. Et donc, je pense que, indépendamment des programmes et des techniques, ce qui compte aujourd'hui pour la Grèce, c'est de la stabilité, de la visibilité, c'est de retrouver sa souveraineté financière dans l'Europe.
Et donc pour ce faire, je souhaite que les prochains accès au marché puissent bien se passer, avec un gouvernement, Alexis Tsipras mène des réformes avec beaucoup de courage et beaucoup de constance, que le gouvernement continue à mener ces réformes, que les résultats soient établis et que ceux qui financeront la dette grecque et son remboursement puissent continuer à faire confiance au pays et aident à diminuer le coût de la dette et à revenir pleinement dans une situation normale. Mais nous souhaitons la même chose aussi. Mais la Grèce veut retourner sur le marché après la fin du programme l'été prochain. Est-ce qu'elle sera capable de se refinancer toute seule ou elle aura besoin d'un nouvel plan d'aide assorti éventuellement de nouvelles mesures d'austérité? Je pense que nous sommes en train de sortir de la logique des trois premiers plans. Et le troisième est en train de s'achever. Et donc, je pense que ce que nous devons viser à l'été prochain, c'est de créer un cadre. Peut-être que la Grèce, en effet, aura besoin d'une aide. Nous avons les techniques en Europe qui permettent de le faire, en particulier le mécanisme européen de stabilité. Donc, il faut l'utiliser. Et je pense qu'il faut plutôt, je n'emploierai pas ce terme, et je ne veux pas aller pour ma part dans ce sens, si on veut consolider la croissance et la reprise, il faut qu'on trouve un pacte de croissance et d'investissement où, à la fois, on aide la Grèce à finir de revenir sur le marché, et on a les instruments pour le faire, et dans le même temps, où on accompagne les réformes qui sont là et où on investit aussi. Moi, je le dis souvent, l'Europe ne peut se relever que si elle arrive à marier la responsabilité et la solidarité. Il faut la responsabilité de la Grèce par les réformes qu'elle conduit. Ça n'est pas l'Europe qui peut mener les réformes en Grèce. Mais il faut aussi de la solidarité européenne. Et c'est ça ce que nous devons établir par une aide qui facilitera le retour sur les marchés, mais aussi par un investissement européen. Moi, je souhaite que l'Europe investisse davantage à travers ses entreprises, ce que je viens faire aujourd'hui, mais qu'il y ait un investissement public aussi qui puisse être continué, consolidé, à travers ce qu'on a appelé le plan Juncker, mais à travers d'autres mécanismes d'investissement et de relance. C'est d'ailleurs à la lumière de la situation grecque que j'ai proposé ce budget de la zone euro, qui a vocation justement, quand un pays est en difficulté, à pouvoir investir pour aider à repartir plus vite. Alors, a-t-elle vraiment fini avec l'austérité, la Grèce ? Écoutez, je pense que la Grèce n'en a pas fini avec les transformations, les réformes. Pourquoi ? Parce que l'économie grecque était dans une situation très difficile, parce qu'on ne s'était pas dit mutuellement la vérité quand la crise est survenue, et la crise a été très violente pour la Grèce. Beaucoup de choses ont été faites, mais il va falloir continuer à faire des réformes qui sont importantes. Elles ne sont pas importantes pour les autres États membres, elles sont importantes pour les citoyens grecs. Et là-dessus, ce que je crois bon pour mon pays, je le crois bon pour le vôtre. Et donc, il faut un peu plus ouvrir encore l'économie grecque et la société. Quand on regarde les choses, il y a un manque de concurrence qui existe dans l'état de marché. Les prix restent trop élevés, en particulier compte tenu du niveau de vie. Donc, il y a des réformes qui sont parfois difficiles à conduire. Moi-même, j'ai des réformes en France, vous savez, qui ne sont pas faciles à conduire. Le Premier ministre et son gouvernement sont à pied d'œuvre pour ce faire. Donc, la Grèce va devoir continuer à faire des réformes. Ce ne sera pas le temps, en quelque sorte, de la tranquillité ou du statu quo. Mais je souhaite que ces réformes soient accompagnées d'une stabilité sur le plan budgétaire, c'est-à-dire qu'on ne demande pas, en plus de ces réformes en profondeur à la Grèce, eh bien, de faire des économies qui empêchent le retour de la croissance. Et tout ça, ça doit s'accompagner d'un retour sur le marché. La France soutient toujours les efforts du gouvernement grec, bien sûr les efforts du peuple qui souffre de la crise. Croyez-vous que les investisseurs français peuvent aujourd'hui renforcer leur présence en Grèce? Je le crois très profondément. La France est très présente en Grèce. Et la France n'est pas partie durant la crise. Les entreprises françaises sont restées là. Elles embauchent plusieurs dizaines de milliers de salariés grecs. Elle est très présente. Nos entreprises sont fortement représentées, avec un peu plus de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui se fait dans le pays. Et donc, il y a besoin d'autres entreprises. Nous avons besoin d'autres investissements. C'est ce que je viens faire. Nous avons la volonté d'investir dans les infrastructures. CMA-CGM, par exemple, le fait. Nous avons besoin et nous voulons investir dans la transformation énergétique. Et il y a aussi plusieurs projets qui seront présentés demain matin avec des entreprises françaises qui s'engagent, qu'il s'agisse de Engie, de PME ou de start-up du secteur. Dans la grande distribution, une entreprise comme L'Oréal est extrêmement engagée en Grèce et souhaite encore se développer. Dans le numérique, dans tous ces secteurs d'activité, évidemment le tourisme, l'agroalimentaire. Donc tous ces secteurs qui font l'économie grecque d'aujourd'hui et de demain, les entreprises françaises sont là et je veux qu'elles soient plus présentes encore.
Je souhaite aussi que nous puissions être présents en termes d'investissement. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dans ma délégation le directeur général de la Banque publique d'investissement française, qui aidera à l'émergence de ce projet de banque de développement grec et qui a vocation à investir là aussi dans le cadre du Fonds européen d'investissement et du programme qui a été lancé pour que nous contribuions justement à cette relance économique. C'est une dernière question sur la Turquie. Non, pas une dernière. L'Union européenne est prête à fermer sa porte à la Turquie. Est-ce que vous êtes en faveur à mettre un terme aux discussions en vue de l'adhésion? Et comment les Européens doivent-ils réagir s'il y aura une hausse de tension dans la mer Égée entre la Grèce et la Turquie? Je souhaite éviter toute tension avec la Turquie. D'abord parce que la stabilité de la région dont vous avez besoin, à tous égards, suppose de garder une relation, de pouvoir discuter avec la Turquie qui est à nos portes. Ensuite, parce que la situation migratoire, sécuritaire que nous connaissons depuis maintenant un peu plus de 2 ans, impose de travailler avec la Turquie. Et l'accord que l'Union européenne a signé avec la Turquie, on le sait bien, conduit à une situation qui a permis d'améliorer les choses. Néanmoins, il dépend fortement de la coopération au jour le jour, en termes de sécurité, de maintien de celles et ceux qui sont les plus dangereux en Turquie, ou d'échange d'informations. Donc je ne souhaite pas que la relation se dégrade entre l'Europe et la Turquie, et nous avons besoin de continuer à discuter. Mmh. Il y a un processus qui a été lancé il y a plusieurs années. Mmh. Ce processus, il est à l'arrêt parce que les choix faits par la Turquie sur le plan démocratique, sur le plan de ses institutions, le choix fait par le président Erdogan il y a quelques mois aussi en termes de réforme constitutionnelle, va à l'encontre des principes que nous nous étions collectivement fixés pour aller vers une adhésion. Donc de fait, la Turquie a décidé de ne pas progresser vers une adhésion à l'Union européenne. Je le constate comme vous. Pour ma part, je discute de manière régulière avec le président Erdogan, précisément parce que je pense que nous devons maintenir un lien, poursuivre la discussion et donner des perspectives à toutes celles et ceux qui, en Turquie, croient en la démocratie et veulent ancrer la Turquie du côté de l'Europe. Monsieur le Président, selon vos déclarations, il faut mettre fin à une forme de guerre civile dans la zone euro. Et vous, vous avez critiqué plusieurs fois l'austérité imposée aux Grecs. Mais Berlin insiste à la politique d'austérité budgétaire comme seule horizon. Comment allez-vous mener la réforme de la gouvernance dans la zone euro sans l'accord de la chancelière allemande? Je sais que les débats ont parfois été difficiles au sein de la zone euro, entre les uns et les autres. Mais je veux ici dire que si nous ne savons pas aller au-delà de ce qui a été parfois vécu, nous ne pourrons rien reconstruire. Dans les premières années de la zone euro, il y a eu des erreurs qui ont été faites. Et il y a eu des erreurs qui ont été faites par les gouvernants grecs, qui n'ont pas dit la vérité sur les chiffres et qui n'ont pas conduit aux réformes auxquelles ils s'étaient engagés pour justement créer une zone euro plus convergente, plus cohérente. Et lorsque la crise est survenue, ces erreurs d'un seul coup ont été révélées au marché et ont créé la crise que vous connaissez, des dettes souveraines, puis des dettes bancaires, avec cet emballement qui a profondément fragilisé votre économie et qui a conduit à des mesures qui ont été des mesures d'austérité pour la Grèce comme pour d'autres pays, je pense au Portugal, en Europe. La France n'a pas connu d'austérité. Elle a connu des réformes parfois difficiles, des choix budgétaires plus, impliquant plus de sérieux, mais pas d'austérité. Et je sais que... Non, pas du tout. Pas du tout, mais je dis ça parce que beaucoup de gens parlent d'austérité en général. Il y a quelques pays qui ont connu l'austérité, dont le vôtre. Mais parce qu'ensuite s'est ouvert une phase où, en effet, plusieurs États membres se sont sentis trahis. Et on dit, maintenant, je veux imposer des règles fermes et je veux être sûr que vous allez faire les efforts pour revenir vers nous. Ce sont les 7 dernières années que vous avez connues en Grèce. Et je sais ce que ça a impliqué de souffrance, de réforme pour le peuple grec. Je le reconnais, je rends hommage à cela. Mais vous voyez bien, si les uns restent dans la défiance en disant « Vous, il y a 10 ans, vous n'avez pas fait ce que vous devez faire, ce que vous deviez faire, et donc je ne veux plus construire avec vous. » Et si du côté grec, vous vous retournez vers d'autres en disant « Vous avez été injuste avec nous, trop dur, je ne veux plus travailler avec vous. » Il n'y a plus d'Europe. Et donc la phase qui s'ouvre doit être une phase de reconstruction de la confiance. Et je suis persuadé que l'Allemagne sera sur cette voie. Parce que l'Allemagne l'a toujours été. Et moi, je veux vous dire ici, j'ai des choix très clairs, des engagements très clairs. Mais depuis que je suis président de la République, j'en ai à chaque fois parlé avec la chancelière Merkel. Et à chaque fois, nous sommes tombés d'accord.
Et donc même si l'Allemagne peut parfois défendre des positions plus dures, l'Europe avance quand la France et l'Allemagne sont sur la même position. L'Europe avance quand on sait justement dépasser les clivages. Mmh. Et moi je suis confiant que l'Allemagne sera avec la France et les autres États membres dépasser les clivages pour construire cette nouvelle étape qui vient rompre avec trop d'années de défiance réciproque. Alors, dans un monde qui change, quel est l'avenir de la France? Quel rôle peut jouer votre pays dans la scène européenne et mondiale? Écoutez, dans ce monde qui change, la France a un rôle à jouer, celui d'une puissance démocratique qui défend la liberté, qui a une vision de l'Europe forte. Et comme je le disais tout à l'heure à l'APNIX, qui croit dans les valeurs de la démocratie, dans les valeurs de la souveraineté, qui veut une démocratie justement forte et qui sait défendre ses intérêts, et dans les équilibres sociaux, en quelque sorte, dont nous avons besoin, c'est-à-dire de l'efficacité et de la justice sociale. La France le fait pour elle-même à travers ses réformes, mais le rôle de la France, il est double. Celui de jouer le rôle diplomatique qui est le sien en tant que membre permanent du Conseil de sécurité, puissance nucléaire, puissance diplomatique, et donc de construire la paix partout où elle est menacée, au Proche et Moyen-Orient et en Afrique. Et d'avoir une politique diplomatique ambitieuse que j'ai présentée il y a là aussi quelques jours, qui vise à lutter contre le terrorisme et partout à construire la paix et défendre nos intérêts et nos valeurs. Et au niveau de l'Europe, la France doit proposer une vision d'une Europe refondée pour plus d'investissements et de croissance, pour une vraie souveraineté économique, c'est-à-dire faire de la zone euro une puissance économique au même titre que la Chine ou les États-Unis, pour une Europe de la souveraineté en termes de défense de nos frontières, donc face aux phénomènes migratoires, une Europe plus forte sur le plan de la défense et de la diplomatie, et une Europe qui, sur le plan de l'énergie, du numérique, sait aussi défendre ses intérêts et construire la croissance. Je crois beaucoup dans le projet européen. Le rôle de la France, à mes yeux, c'est de lui donner une nouvelle énergie, une nouvelle perspective pour les 10 ans à venir. Monsieur le Président, merci beaucoup pour cette rencontre et le temps que vous avez pris de répondre à nos questions. Je vous souhaite une bonne visite à Athènes. Merci à vous. Merci pour beaucoup. Merci beaucoup votre pour temps. Votre présence à la télévision publique grecque et même à Antenna. Antenna aussi. Merci pour votre français. Et je suis très sensible au fait qu'ici en Grèce, pour la moitié, même un peu plus des élèves, le français soit la deuxième langue choisie. Donc majoritaire. Je veux qu'on développe encore le français, mais vous êtes une formidable illustration de cela. Et je veux que, par votre présence, je puisse aussi saluer l'ensemble des Grecs qui nous écoutent, qui nous regardent, et auxquels je veux dire que nous pouvons ensemble construire une vraie ambition européenne et un avenir partagé. Nous vous remercions. Merci beaucoup. Merci. Και νομίζω, Μαρία, ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε στον χρόνο που είχαμε. Έτσι, να ευχαριστήσουμε και τους τηλεθεατές που παρακολουθήσατε και εσείς μαζί μας την πρώτη συνέντευξη που έδωσε ο Γάλλος Πρόεδρος στην ελληνική τηλεόραση. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από την συνέντευξη.